Fabien Naveau, je suis très heureux de vous rencontrer par Zoom interposé cette fois-ci, après vous avoir rencontré hier à la galerie de l'Atelier des Capucins à Mons, où nous avons visité ensemble l'exposition actuelle qui s'y tient, une exposition de vos œuvres récentes et quelques-unes plus anciennes, sous le titre de Noir et d'autres. Alors, première question, ce titre de Noir et d'autres, qu'est-ce que vous pensez qu'il évoque chez le visiteur et qu'est-ce que vous souhaitiez qu'il évoque chez lui? Le titre, en fait, fait référence à aussi à la technique que j'utilise, donc je travaille du clair vers le foncé. Alors, j'aime beaucoup travailler le noir pour deux raisons. D'abord, pour moi, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le noir est une couleur très très forte. Et donc j'aime bien utiliser le noir, soit dans mes toiles en superposition d'autres couleurs, soit directement sur papier en utilisant uniquement le noir. Et aussi le noir me permet de, comment dire, d'approcher les thèmes de prédilection que j'ai. Qui sont des thèmes qui parlent de la souffrance humaine, de l'histoire, mais de l'histoire dramatique. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu ce titre de Noir et d'autres. D'autres parce que ça fait référence aussi à certaines toiles plus anciennes qui sont plus colorées. On y reviendra sur notamment certaines toiles très spectaculaires où apparaissent des genêts jaunes et on reviendra sur ces toiles-là. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, que vous développiez un peu votre manière de travailler. Vous êtes devant la toile, imaginons qu'on va faire une petite masterclass avec Fabien Naveau. Ce travail des couches superposées et partant du foncé vers le clair ou utilisant le noir et les noirs successifs. Comment est-ce que vous nous décririez cela pour un spectateur qui n'est pas nécessairement un spécialiste de la technique picturale? En fait, si je peux me permettre, c'est le contraire. Je travaille de clair vers le foncé. En le disant, je me suis rendu compte que j'avais été distrait. Alors, Voilà. j'utilise la peinture à l'huile parce que c'est une technique, la peinture à l'huile, qui permet vraiment de travailler beaucoup les glacis, les couches successives, justement. Et c'est un travail qui est plus lent que l'acrylique. Parce qu'on peut attendre il faut attendre parfois que la peinture sèche pour pouvoir mettre une nouvelle couche, ce qui permet de réfléchir, aussi d'entamer d'autres toiles en même temps. Et donc, en fait, moi, j'ai une formation assez classique. Donc, j'ai étudié la peinture à l'académie. Et donc, j'ai commencé par le dessin, le fusain, un peu d'aquarelle et la peinture à l'huile. Et tout de suite, la peinture à l'huile, pour moi, était vraiment la technique qui me convenait. Et donc, quand je commence une toile, je la commence très claire. C'est presque que des taches, en fait, au départ, très, très claire. Et alors, successivement, je mets des couches pour faire apparaître les formes. Et pour foncer, donc je noircis mes toiles comme, comment dire, comme les événements de la vie sont noircis, je vais dire. Petit à petit, des choses qui sont très bien, très, très jolies, très agréables, peuvent devenir de plus en plus difficiles et de plus en plus sombres. Alors, vous avez évoqué au début de notre entretien, cette fois-ci, on va passer je dirais presque au fond, passer de la forme au fond et d'évoquer un peu les sources d'inspiration qui vous guident, qui sont effectivement des sources d'inspiration qui souvent nous conduisent vers des lieux de souffrance, tels que l'histoire avec un grand H nous les a laissés, les camps de concentration et les camps d'extermination, les pays de l'Est, les prisons dans les pays et régimes totalitaires, qui sont des endroits que vous allez explorer à travers ces fragments d'espace que sont les toiles.
Quelle est, enfin, c'est une question très complexe à formuler et à laquelle il est difficile pour un artiste de répondre. Mais qu'est-ce qui nourrit, selon vous, cette aspiration à peindre ce qui est la souffrance et en la transcendant, je dirais presque, à travers une représentation sous forme de certaines de vos peintures, comme je pense à ces crânes qui sont disposés dans des niches dans une de vos toiles plus anciennes, ou alors la série des gueules cassées de la guerre 14-18 que vous exposez à l'atelier des Capucins. D'où vient, si vous deviez faire une sorte d'auto-analyse, je dirais, en quoi est-ce que la peinture vous aide à assumer cette souffrance commune, collective? Oui, en fait, vous l'avez dit, c'est l'histoire. C'est l'histoire avec le grand H et le petit H aussi parfois. Et en fait, je suis fascinée par l'histoire. J'ai toujours été fascinée par l'histoire. Et donc, je lis beaucoup de livres d'histoire. J'aime beaucoup visiter des lieux d'histoire. Et en fait, je me rends compte dans l'histoire, l'histoire est dramatique pour les gens, pour l'être humain. Et l'être humain est emporté par l'histoire. Et on regarde souvent l'histoire avec un certain détachement, puisque c'est passé. Et en fait, on se rend compte du drame de l'histoire quand on est impliqué directement dedans, comme les êtres humains ont été impliqués dans certains lieux que je peins. Et donc, c'est ça qui me pousse à peindre d'après ce thème-là. Alors, Richard Miller a écrit un article très intéressant et très complet, une analyse très approfondie de votre manière d'exprimer ce qui est inexprimable. Lui utilise la formulation selon laquelle on ne peut pas montrer une série de choses en les montrant, en quelque sorte. Il y a une sorte de dissimulation derrière vos toiles de ce qui finalement ne ressurgit que lorsqu'on va au-delà des toiles. Et là, j'aimerais qu'on évoque cette très très belle toile intitulée Les Genêts ou Les Genêts dans un sous-bois, qui a été peinte après une visite que vous avez faite du site de Birkenau, et qui en fait nous dit, au fur et à mesure où on avance dans ce qu'elle montre, on arrive à ce qu'elle ne montre pas, mais qui s'y trouve quand même dans la toile et sur le site. J'aimerais que vous nous racontiez ces genêts. Oui, en fait, donc j'ai visité Birkenau et j'ai été vraiment frappée par la fin de la visite où donc on ne voit plus rien, il n'y a plus les prisons, il n'y a plus les bâtiments où on incinérait les gens, où on croit que la visite est terminée. Et là, on se retrouve dans un endroit magnifique, idyllique, qui est une grande prairie avec un lac et des bouleaux, qui est très paisible, où il y a notamment des genêts le long de la berge. Et en fait, c'est un lieu dramatique parce que c'était l'endroit où les prisonniers devaient acheminer les cendres des personnes qui avaient été brûlées et devaient déverser les cendres dans ce lac. Et donc ça a été un choc terrible pour moi. Et en fait, quand on y va, le drame est dissimulé pour le visiteur. Et c'est ça que j'ai voulu représenter. Et donc, j'ai représenté ça en deux toiles, en fait. Une toile où j'ai peint le lieu même, comme il est maintenant, paisible. Donc, ça peut paraître être un sous-bois très, très agréable. Et il y a juste quatre petites stèles que l'on voit au loin qui montre que c'est l'endroit donc où il y a eu ce drame qui s'est passé. Et j'ai fait une autre toile où ce sont que des genêts en gros plan, un buisson de genêts. Et pour moi, chaque petite fleur jaune représente une étoile juive, en fait. Il y a une autre toile qui m'a beaucoup marqué lors de notre visite,
et qui, si je me souviens bien, appartient à une production plus ancienne, qui est le mur d'une prison en Colombie, à Bogota, d'un pénitencier de Bogota, Oui. où là on a l'impression qu'on voit en même temps le mur, mais qu'on voit en même temps, à travers justement ces transparences, tous les signes qu'ont laissés les malheureux prisonniers qui y ont été emprisonnés, torturés, maltraités. Là, on est aussi dans une forme de couleur par rapport au noir qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une forme de clarté dans ce tableau, mais la signification finale est presque identique. Sous cette lumière se dissimule une vérité qu'il faut aller investiguer. Oui, là, en fait, c'est vrai que cette toile-là, je l'ai travaillée dans des tons beaucoup plus clairs. Il y a même une lumière, donc il y a une fenêtre qui se trouve dans la partie supérieure, mais une fenêtre qui montre qu'on ne sait pas voir à l'extérieur parce qu'elle est trop haute. Et en fait, oui, ce que j'ai voulu montrer, parce qu'en fait, cette prison, donc c'est un panoptico, est devenue un musée. Un très beau musée, et dans chaque ancienne cellule, c'est devenu une pièce muséale où il y a des œuvres d'art qui sont exposées. Et j'ai voulu représenter ces cellules comme elles devaient être, à mon avis, au moment où elles étaient prison, où les gens étaient prisonniers dans ces pièces. Et c'est vrai que, en fait, les tons clairs que j'ai utilisés, pour moi, j'ai essayé par ce biais de montrer aussi la disparition de la mémoire. Donc, c'est plus clair parce que c'est comme si la prison disparaissait, comme si on oubliait que ça avait été une prison. Et c'est vrai qu'on aperçoit des graffitis qui sont comme Oui. enfin qui apparaissent lorsqu'on regarde la toile plus longtemps, on est tenté de déchiffrer les quelques graffitis qui s'y trouvent. Il y a une bougie qui me revient en mémoire, qui est Oui. étonnante dans ce dispositif-là. Il y a des noms aussi, des noms en espagnol. Il y a, en fait, j'ai imaginé ce que les prisonniers pouvaient inscrire sur ces murs dans cette prison. Oui. Alors, il y a une autre série dans cette exposition qui, au fur et à mesure où je l'évoque avec vous, je me rends compte non seulement de sa richesse, mais aussi de sa diversité dans les modes d'expression et dans les inspirations, mais avec quand même une thématique constante. Ces autres séries de toiles concernent là la Première Guerre mondiale, avec deux toiles représentant l'Isère, vue comme à travers une meurtrière, vue à travers un espace plus étroit et plus étriqué qui donne vers un paysage, et ces gueules cassées dont j'avais commencé à vous demander de l'évoquer et qu'on n'a pas évoqué finalement. Alors, la Première Guerre mondiale, elle se situe où dans votre cheminement mémoriel? Mais en fait, c'est toujours le même thème, donc de la souffrance, de l'histoire. C'est très proche de nous. Ce sont des toiles qui ont été faites cette année-ci. Et j'ai été visiter plusieurs lieux de la guerre 14-18, notamment en Flandre. Et c'était, il y a le même, en fait, c'est le même thème aussi qui se retrouve dans d'autres toiles, qui est l'enfermement, qui est l'impossibilité de sortir, parce que les paysages sont vus de l'intérieur de bunkers. Donc, il y a juste un petit espace où on peut voir l'extérieur, où on peut voir l'Isère et les prairies. Et alors, cette fois-ci, j'ai quand même voulu peindre des êtres humains. J'ai quand même voulu montrer, donc c'est comme ça que j'ai peint les gueules cassées. Enfin, oui, je les ai peints surtout sur papier. Il y en a qu'une qui est en couleur. Et voilà, c'est pour garder aussi le souvenir, parce que pour nous, pour les jeunes générations, c'est très loin maintenant, la guerre 14-18. Mais en fait, j'ai voulu montrer ce qui s'est passé, la souffrance, les blessures des combattants, mais qui peut aussi représenter tout ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est toujours les mêmes souffrances à l'heure actuelle
dans les guerres. Mais bon, j'ai pris comme thème la guerre 14-18, qui est très proche de nous finalement. Alors, vous avez évoqué l'enfermement, hein, Oui. et j'ai eu le sentiment, en vous entendant utiliser ce mot l'enfermement, que c'est un peu ce qui est représenté, ou en tout cas ce que l'on peut ressentir en voyant la série de ces dernières toiles dont l'une d'entre elles fait Oui. l'objet de l'affichette et du programme de présentation et du très beau livre-programme d'ailleurs qui accompagne l'exposition. Là, est-ce qu'on ne se trouve pas aussi dans une forme d'enfermement avec ces fenêtres qui sont peintes de cette matière qui servait lors des couvre-feux à éviter que les lieux ne soient visibles depuis d'éventuels bombardiers ou d'éventuelles tentatives de bombardement? Est-ce que là aussi, il n'y a pas une forme d'enfermement et une manière de dire, voilà, la lumière est inaccessible parce qu'on doit la dissimuler pour être protégé du danger extérieur. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais vous dire que donc ces toiles ont été réalisées aussi pendant le confinement. Ça rejoint un peu, bon, c'est moins dramatique, hein, mais ça rejoint un petit peu aussi ce que je disais que l'histoire nous emporte. Mais c'est évidemment beaucoup moins dramatique que les guerres. Mais j'ai l'impression que c'est le sentiment général que les gens ont eu. Tout d'un coup de devoir rester chez soi, de ne plus pouvoir accéder à l'extérieur, enfin à l'extérieur de voyager. Et donc c'est un petit peu ça aussi que j'ai voulu représenter. Et en fait, il y a une lumière bleue très très claire. À première vue, on peut croire qu'on voit le ciel. Et puis non, en fait, oui, comme vous dites, c'est l'impossibilité de voir l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire sur base, et j'aimerais qu'on termine cet entretien avec cette interrogation-là, qui n'est pas vraiment une question, et qu'on invite les personnes qui nous écoutent et nous regardent à aller voir l'exposition et se rendre compte par eux-mêmes de votre travail. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, un peu comme la poésie est une manière parfois abstraite de dire un réel qui est restitué à celui qui lit la poésie, que votre peinture est aussi une forme poétique d'exprimer cette angoisse dont une des expressions les plus récentes et les plus fortes a été justement la pandémie du Covid, l'enfermement, l'obligation de s'isoler des autres comme s'ils étaient des ennemis potentiels. Et j'ai eu le sentiment, en repensant à cette visite que nous avons faite hier, qu'il y avait cette dimension de poésie tragique, en quelque sorte, dans la manière dont vous exprimez ce que provoque en vous comme sentiment, comme sensibilité, comme sensation, cette histoire avec un grand H ou cette actualité avec un grand A qui nous entoure de toutes parts. Oui, c'est vraiment. En fait, dans ces dernières toiles, je continue à travailler de la même façon sans vouloir représenter directement par des images claires les situations historiques. Mais oui, d'une façon plus dissimulée. Plus abstraite, je dirais. On arrive vers presque une abstraction, alors que Oui, mais vos on ne premières. peut pas dire que ce soit une abstraction parce qu'il y a toujours le sujet. Bien sûr. Dans mes toiles, il y a toujours un sujet, ce n'est jamais abstrait. Mais c'est vrai que dans cette toile, j'ai essayé de tracer un minimum, je vais dire, pour essayer d'être malgré tout la plus, comment dire, la plus directe possible. Et donc, il y a moins de détails. Oui, c'est ça, on peut dire ça, oui, ça approche l'abstrait quand même. Fabienne Avaux, je propose qu'on clôture ici cet Oui. entretien. C'est toujours très, très, un exercice très périlleux de parler soi-même de sa propre peinture, surtout que finalement, elle est aussi offerte aux visiteurs comme étant un outil, un instrument pour
soi-même se poser des questions qui ne sont pas nécessairement celles que l'artiste a posées au moment où elle travaillait la toile dans votre cas, mais qui nous incite aussi à nous interroger lorsqu'on voit une œuvre d'art sur ce qu'elle véhicule comme information, je dirais presque secrète, comme énigme, ce qui est aussi l'énigme que nous montrent les paysages ou les lieux que vous avez représentés, et je mets représenté entre guillemets. Fabienne Avo, je vous remercie pour cet entretien, et alors j'invite tous ceux qui nous écoutent une nouvelle fois à aller visiter ce lieu, les ateliers des Capucins, et d'aller voir l'exposition de vos œuvres. Merci Fabienne Avo. Je vous remercie également. Merci beaucoup.